Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Reach pour ce 94e épisode du Let's Play consacré à Fallout 4. Je suis Warkfeuille. Alors, avant toute chose, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent. Ah. Alors, il va y avoir rien qui planquait là, mais au moins j'ai récupéré des... par contre, si tu pouvais te pousser un peu. Allez! Hey! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ici. Je m'en charge. Déplace-toi. Ok, on a récupéré les bandes, on va pouvoir aller parler du coup à Eddie. Et puis ce qu'on va faire également, c'est aller voir donc le camp, enfin le village, enfin le la petite communauté là qui est juste à côté. Je vais déjà aller à l'étage. J'ai pas des munitions à l'étage? Tiens, qu'est-ce que je disais? Bon, pas grand chose. Ok. Mais c'est mieux que rien. Par contre, non, ouais, je vais pas aller sur les toits parce que. Je sens que c'est avec. Par là-bas, je vois une mine. J'en vois même deux. Mais bon, là, l'objectif, c'est d'aller droit là-bas. Donc, on va y aller. Ah, il y a de la lumière là-bas. Là-bas, on va pas y aller. Il y a de la lumière là aussi. Je peux où aller passer Ada. Elle va me rejoindre. C'est bon, on m'a rejoint. Ok. Ça sent soit les robots, soit les super mutants. Dans les deux cas, j'ai pas trop envie de retomber dessus. Pas les super mutants. Pillard psychopathe. D'accord, c'est pillard. Waouh, j'ai cru qu'il y avait un. J'ai cru qu'il y avait un. Comment dire. Un chien. Ne craignez rien, monsieur. La victoire nous attend. Là-haut, je la vois. Ah putain, elle est légendaire, elle. Là-bas, je te vois, toi. Ah, toi, t'es pas légendaire, mais par contre, t'es bien...
Ah putain, mais arrête de bouger! Wow, il y a des balles qui passent pas loin. Eh ben, on va tenter une autre approche. Inventaire, arme, ou le lance-missile. What? Ennemi légendaire a muté. Mais d'où des pillards ça mute? D'où? Une goule, je peux me dire, pourquoi pas? Un super mutant, un super mutant, pourquoi pas? Mais un pillard? Un pillard, ça peut pas muter? Mais c'est quoi ce délire? Oh. On y retourne. On va essayer de se faire d'éviter de se faire remarquer. Moi je crois Adas décide de leur tirer dessus, je crois. Il y a des espèces de moustiques, on va éviter. Là-haut, il y a un truc, je sais pas trop ce... Ah, mais c'est d'accord, c'est une base qui a été faite sur un paquebot qui a échoué. Ok. Pourquoi pas? Oh, non, mais c'est pas grave, on reviendra là peut-être. Ça se trouve au camp, ce qu'ils veulent, c'est qu'on. C'est quoi ça? Oui. Ça se trouve au camp, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe d'eux, justement. Donc, bon. On verra ça après. Oh, ça j'aime pas, ça fait boum. Ferme des Warwick. Non, je veux pas voler leur clamolette. Ouais, ils sont plutôt bien installés, je trouve. Excusez-moi. Désolé, je te réveille en pleine nuit, mais vous aviez qu'à pas laisser la lumière et la porte. Je ne peux pas vous connaître. C'est la première fois que vous venez dans le coin. En quelque sorte, c'est compliqué. Bah, ça ne me regarde pas. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi installer une ferme dans un endroit pareil? Elle paie pas de mine, et puis, il y a l'odeur. Mais justement, c'est le truc. Vous voyez? Avant, il y avait une station d'épuration ici. Juste sous nos pieds. Il y a la terre la plus fertile de tout le Commonwealth. C'est bien de voir le bon côté des choses. C'est ce que tout le monde essaie de faire. Si vous trouvez quelque chose par ici qui n'a que des bons côtés, prévenez-moi. Je dois bien admettre que rien que le fait d'avoir cette conversation me fait prendre conscience de la chance que j'ai. On a eu quelques coups durs il n'y a pas si longtemps. Un groupe de super-mutants nous a attaqués. Ils ont dévasté nos champs. Avant, les miliciens nous auraient aidés, mais aux dernières nouvelles, ils étaient trop occupés à se faire la guerre entre eux pour se soucier de nous autres. Donc on s'est retrouvés seuls, et on a bien failli mourir de faim. Personne ne devrait voir sa femme et ses enfants souffrir. Pas vrai?
Tout ce qui compte, c'est que vous ayez survécu. Jusqu'ici, c'est vrai, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Les super-mutants sont toujours dans les parages. Ils pourraient revenir n'importe quand. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais si vous les éliminiez, on dormirait tous un peu mieux. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. On commençait vraiment à désespérer. Ok. Donc ça, nickel. Je vais pas leur fouiller leur chez eux tout de suite. Je ferai ça après. Juste voir où se trouve. D'accord, ici. Vous êtes sérieux, les super mutants, ils traversent tout ça pour venir leur taper dessus alors que je suis sûr qu'il y a des trucs plus intéressants. Ah, j'ai pas vu, on est sur le bas de la carte. Et en fait, j'ai découvert presque toute la carte, quoi. Je me suis un peu baladé partout. Ok, bon, on fera ça plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Sanctuary, me vider, m'améliorer, tout ça. Et puis après, je vais revenir ici. Sachant qu'à Sanctuary, je vais faire la mission, enfin je vais parler à Nick. Ok, on va pouvoir reprendre une activité normale. Alors, au niveau des missions que j'avais à faire dans les parages, donc toi c'est bon. Faut juste que j'aille du coup à l'usine. Tuer les super mutants. On va faire un déplacement rapide sur les ruines. Grâce à l'aptitude amie des animaux, vous pouvez tenter de pacifier les animaux en pointant votre arme à feu sur eux. En améliorant cette aptitude, vous pouvez aussi les inciter à attaquer ou leur communiquer des ordres précis. Hein ? Ouais, bah je crois que j'ai foiré. j'ai un peu le même délire sur les ennemis, plus faibles que moi, et je crois qu'à chaque fois je les descends. Parce que je me rends pas compte qu'ils sont en train de lever les mains. Les mecs, ils veulent se rendre et bam, je les descends. Ah bah merde. Vous aimez tellement votre mitrailleuse. Ah. Ah merde, mais c'est la caravane marchande. Je sais pas pourquoi ils se sont fait descendre, mais ils se sont fait descendre, ça c'est clair. Alors, il faut que j'aille par là. Putain, Ada, tu fais un de ces boucans. Oh, c'est un symbole de super mutant, ça, non? C'est pas faux. Vaut mieux qu'on se barre avant d'attirer l'attention de quelqu'un. Ah merde, on va vers le bruit des tirs. Ah, tu me diras. S'ils sont en train de s'occuper des super mutants. Ah bah ouais, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de s'occuper des super mutants. Bon, comment on sort de cette impasse? Bon, bah on va s'occuper de lui, tant pis. Il y a peut-être un ennemi à proximité. Oh, comment je te l'ai descendu. Allez, vas-y, monte ta tête. Crevez, oui,
putain, j'arrive pas à le choper. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté de tirer. Alors soit ils ont soit les super mutants ont tué tous les. Oh, il va peut-être y avoir une armure avancée par ici. Une armure assistée, je veux dire. Soit les super mutants ont tué tout le monde. Soit c'est l'inverse. À mon avis. À mon avis, les super mutants sont encore là. Hein. Ah ben voilà. Mais ce qui m'arrive dessus, c'est bon. J'arrive pas à sortir. Il a explosé Ada. Ah ouais, il a explosé Ada. Ouais, dans le reste, on va pas le récupérer. Bon, il me semble que ça soit une cachette de la... Enfin, dans les parages, il y a une cachette du réseau du rail, d'après ce que je vois, enfin, d'après ce que j'ai vu sur le mur. J'ai l'impression que ça recommence à canarder. Pas du tout où ils sont. Ah. Je crois qu'elle les a repérés, ça y est. Ok, il y en a une en moins. Ok, ça je prends, ça je prends. Holoplaque de conf. Holoplaque, ouais, je vais prendre aussi. Merde, je porte trop de choses. Putain, mais j'arrive pas à lui faire plus de dégâts que ça. J'arrête pas de lui foutre des balles dans la tête. Ah bah ça y est. On les a... ok. Bah non, on les a pas tués. On a juste tué le... On a juste tué le boss. Enfin, leur boss. Reste là! Vous voulez diminuer le poids de votre équipement? Bah oui. Arme de fortune, ça dégage, ça je garde. Grenade à fragmentation. Lance-missile, je vais garder.
Ça, hop, mine, je te passe. Ça, je donne. Ça, je donne. Ok. En tenue. Casque, ça dégage. Lunettes de soleil, ça dégage. Plastron de combat, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Voilà, tout ça, ça dégage. Appareil photo. Enfin, bric-à-brac, tout le bric-à-brac. Hop. On se vide entièrement. Munitions. Ok, le reste c'est bon. Oh, c'est juste qu'ils sont débiles et qu'ils tirent dans le mur, quoi. Par contre, je vois pas d'autres unités. C'est la fusion. Cartouche, laser, plastron. Non, la chemise écossaise, on va la laisser tranquille. Je vois pas d'autres unités de la confrérie de l'acier. On va te trouver. On va te tuer. C'est tout? Non, parce qu'à ce compte-là, moi aussi je vous cherche. Alors bon, au pire, on se donne un point de rendez-vous et puis. Ah, c'est parce qu'il est au-dessus. Okay. Je sais que tu es là. Oui, bah moi aussi. Arrête de te cacher. Mais je me cache pas, je suis en train de faire des emplettes. Je crois qu'ils se sont échappés. Mais non, faut pas être médisant. Il va peut-être falloir que je me soigne en fait, moi, parce qu'avec tout ça. Putain, la côtelette de yokai. Tiens, ça t'apprendra à me tirer dessus. Allez, j'économise en plus mes munitions. Cartouche, ok, ça on va laisser. Ouais, ça on va prendre. Plein de trucs à récupérer. Ouah, bordel! Fous-toi à couvert. Oh la vache, je m'attendais pas à me prendre une rafale. Ok, va falloir que je change d'arme. Parce que celle-là va pas suffire. Acide, j'ai des munitions. Dès qu'il recharge. Mais au lieu de me dire ça, tu vas me donner un coup de main, c'est pas possible. Non, j'ai pas le bon angle. Ah, j'ai pas de munitions. Ah merde, il m'a niqué le bras ce con en plus. Faut que je reste planqué pour pouvoir changer d'arme. Oh, le petit lance-missile qui peut faire plaisir. Je sais pas si ça a été efficace. Ouais, si c'est efficace. Mais tu me couvres rien du tout! Je vais arracher un bras ou pas? Pas l'impression. Ah, je crois que je l'ai pas eu là. Non, là non. Par contre, faut que je me soigne. Il a fait péter des trucs, c'était pas prévu. Ça, c'est un combat épique. Hein. Ah merde. Ah merde! Ah mais en plus il me touche la tête ce con. Votre assistance
Où t'es? Ah, t'es là. Merde. J'arrive pas à savoir si je le touche. Là, je crois que je l'ai eu. Par contre, ce qui serait génial... Est-ce que je peux utiliser le... Ouais, je peux utiliser le SAV là-dessus. Ah putain, il a plus de... Il lui manque un bras, on va viser l'autre. Ouais, je sais pas si j'ai réussi à... À lui faire un... non, c'est dans l'inventaire. À lui faire un critique. Putain, j'ai failli me... Ok, hop, on va lui dégager le bras. Vas-y, dégage le bras. Putain, j'ai raté le bras. Homme bleu, pas mal. Hop, je vais te le choper ton bras, tu vas voir. Je crois que je lui ai niqué le bras. A chaque fois je me trompe de touche quand je vis, c'est chiant. J'ai pas assez de PA. Putain, mais il arrive encore à tirer, lui. C'est quoi ce délire? J'ai pas assez de PA. J'ai toujours pas assez de PA. Faut que je me foute à couvert et que je me soigne. Aïe, 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 aïe. On va prendre ça. La côtelette, on verra plus tard. Elle a l'air de remettre quand même pas mal. Du pain brioché. Ah merde, j'ai pris de la rade. Ah, du rôti. Hop. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est où l'ennemi? Il est là. Je l'ai en ligne de mire. Je vise son torse. 40%, c'est chaud par contre. Oh putain, je suis encore devenu débile. Il m'a encore touché à la tête, ce con. Ça va. Dernière munition. Ouais, je vais tout niquer quoi. Bah, on va viser le bras. Yeah, 100 d'XP, allez. Ça, ça fait plaisir. Et par contre, bah, j'ai plus de munitions. Du moins, j'ai plus de munitions au lance-roquette, au lance-missile. On va récupérer quelques petits morceaux là pour pouvoir améliorer Ada. On ira chercher après les loots sur le bestiau. Cartouche, le fusil. Ok. Ah mais je me demande, ça se trouve je peux me faire un chien robot. Oh, je suis pas sûr, j'ai pas eu... J'ai pas eu l'impression de choper des nouveaux crafts. Faudra que je teste. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.